Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Soban. Si vous n'êtes pas abonné en dessous de cette vidéo, tous abonnés, allez-y. Abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous voulez savoir, nous avons trois autres chaînes aussi. Cliquez sur Soban, allez-y à la barre d'accueil, abonnez-vous sur notre chaîne, Nyang Soboto, Nyang Soboto 3 et Nyang TV. Voici ce qui fait le buzz sur ces stars après sa disparition. On l'a juste enterré. Il y a combien de jours même? On a enterré le 31. On peut dire qu'il y a 15 jours aujourd'hui. Et depuis sa disparition, depuis ce jour-là, il n'y a que des problèmes qui arrivent dans son groupe, parmi ses proches. Les gens ont dit que quand ce star a disparu, les gens même qui faisaient partie de son staff ont commencé à dire des choses sur son manager, l'accusant d'avoir détourné 5 millions. Maintenant, tout ça, ça a été encore des choses qui ont fait bouger les réseaux sociaux. Et son manager est venu sur les réseaux sociaux pour essayer de répondre de cette affaire, de dire ce qu'il pense de cette affaire. Parce qu'il a été accusé d'avoir détourné 5 millions. Et puisque cette affaire n'est pas venue à lui, ou devant lui, et qu'il s'est paru sur les réseaux sociaux. Donc ce qui s'est passé, c'est que lui aussi, il a utilisé les réseaux sociaux pour répondre. Mais aujourd'hui, quand je me suis réveillé, ce que j'ai vu, franchement, si ça n'avait pas été filmé, personne ne l'aurait cru. Ce manager-là est venu pleurer. Et il a commencé à parler des gens pour dire que les gens veulent l'associer aux ennemis de cette star. Et lui, il a refusé. C'est la raison pour laquelle les gens sont en train de le persécuter. Quoi? Mais j'hallucine ou quoi? Donc, les gens veulent dire que le problème, ce n'est pas un problème d'argent. Et que c'est un autre problème. Et cet homme, c'est en pleurant qui donne toutes ces informations. Ça m'étonne. Si on vous parle comme ça, vous montrez la vidéo, vous allez dire « Ah, c'est ça les histoires! Il y a un truc bon, tu veux nous faire peur! » Bon, ne vous inquiétez pas. Vous allez tout voir ici, machin un peu, allons au studio. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Partagez cette vidéo et soyez prêts parce que nous venons de nous réveiller. C'est même la première vidéo du jour. Ha, ce qui arrive, c'est pas du jeu, c'est pas pour les enfants. Vous serez même surpris. Est-ce que vous allez même abonner? Est-ce que vous allez partager cette vidéo? Maintenant, soyez prêts. Déjà, vous devez savoir quelque chose. Vous devez savoir quelque chose qui va nous aider dans la compréhension de cette affaire. En fait, cette star-là, dans ces derniers moments, elle avait rencontré beaucoup de problèmes. Elle était persécutée de par ici, elle était persécutée de par là. Et pendant ce temps-là, son manager faisait des vidéos pour essayer d'en parler. Et son manager était toujours proche d'elle. Regardez ça. Comme vous le voyez, ça, c'est ce qui s'est passé après la disparition de cette star. Des gens ont pleuré. Tes amis à cette star ont pleuré. Et ce manager, il a continué ses services. Et il faisait tout ce qui était à son possible pour pouvoir veiller à ce qu'on enterre dignement sa star. Si vous voulez savoir, le manager est Cesta, apparemment, les deux avaient de très bonnes relations. Je suis sûr, nous allons voir cela dans les images. Comme quoi, vous ne pouvez pas, ce ne sont pas seulement les gens qui sont nés d'un même père ou d'une même mère avec vous, qui peuvent juste vous aimer. Même des gens, des gens qui ne vous connaissent pas peuvent vous apprécier. Regardez même ça. Et ici, il était à l'écoute de ces stars. C'est lui qui faisait tout. Ou du moins, c'est ce que nous on peut voir. C'est ce qu'on voit et qu'on sait, qu'on vous montre. Et les images en disent long sur le sujet. Ces stars apparemment avaient un grand cœur, un cœur pour accueillir les gens. Elle aimait tout le monde. Elle partageait ce qu'elle avait avec tout le monde, tous ceux qui l'entouraient. Comme vous le savez, dans la vie, ce ne sont pas tous ceux que vous croyez
qui vous aime toujours, qui vous aime vraiment. Mais ce sont dans les œuvres, dans les actions. Même après votre mort, c'est là vous sourire qui vous aime vraiment. Ce qui est sûr, c'est que dans le moment difficile de ce stade, ce manager-là était vraiment là. Il était là et il faisait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Comme vous le voyez, dans la première photo, on peut voir clairement que malgré la difficulté, les deux essayaient de sourire, de garder le sourire. Ils essayaient de régler leurs problèmes tranquillement, bien qu'ils avaient des ennemis sur leur dos. Mais après la disparition de ces stars, bizarrement, des problèmes ont commencé à surgir. Et ce manager est maintenant venu sur les réseaux sociaux et il a commencé à faire des révélations. Des révélations audio quand même. Est-ce que vous êtes même prêt à l'écouter? Est-ce que vous êtes même chaud? J'espère que vous avez partagé cette vidéo, que vous êtes abonné et que vous avez activé la cloche quand vous abonnez. Bon, regardez maintenant ça. Écoutez. Rendez-moi fou. Comme vous le voyez, ce manager est vraiment dépassé parce que vous-même vous avez entendu. Franchement, c'est une chose qui est vraiment terrible. Hein? Et c'est ce que nous venons de voir depuis ce matin. Franchement, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Le problème a commencé avec une histoire de 5 millions. Quelques temps plus tard, regardez, même aujourd'hui, regardez ce qui sort. Du genre, comme il y a un truc qui est derrière, ce malade a dit qu'il a juste refusé qu'on l'associe à des choses étranges qui ont lieu dans leur groupe. Que cette star-là, elle-même de son vivant, n'accepterait pas. Et puisque elle est loyale, puisque ce malade, il est loyal, il ne veut pas entrer dans ce groupe. Et il dit que c'est la raison pour laquelle il est persécuté. Ah! Bon. Nous allons maintenant écouter cette star pour nous dire réellement qu'est-ce qui s'est passé réellement, c'est-à-dire de son vivant, qu'est-ce qu'elle a vécu. Écoutez ça. Chaque fois, voilà, on fait tout. Il y a beaucoup de problèmes dans cette tournée. Je ne peux en parler, mais vous voyez déjà le boycottage, vous voyez déjà comment ça se passe. Ce n'est pas qu'on ne peut pas aller souffrir des panneaux publicitaires pour inonder tout Abidjan, mais si il y a des personnes mal intentionnées qui conspire seulement pour que cette tournée que je veux, que je suis en train de faire pour aider hein, les enfants de la rue, pour aider des orphelins, et en même temps aussi pour
fait plaisir à mes fans un peu partout dans toutes les communes. Si ça c'est méchant, si ça c'est une mauvaise intention de ma part, vraiment, je suis désolé pour ces personnes qui conspirent et qui font tout. Voilà, donc je vous attends. C'est vous seuls qui me rendez grand, c'est vous seuls qui me rendez petit. La Chine n'est pas foutaise et il faut qu'on leur montre qui on est. Comme vous le voyez, ce star est vraiment en train de nous raconter une situation vraiment terrible qui vraiment s'est produite. Et ce manager-là est en train de nous expliquer que dans ce moment difficile-là, lui, il a été là. Et les personnes, apparemment, ce manager dit que les personnes qui ont même bloqué ce star-là, ce sont ces personnes avec qui, sans doute, ses amis ont décidé de collaborer. Et lui, il a refusé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé. Or, le jour de la disparition de ces stars, il y avait beaucoup de choses. Vraiment, il y a eu un tas de choses. Regardez ça. Ça, c'est une de ses amies. Une de ses camarades. Elle, c'est l'ami. Dans le game, ces stars n'ont pas d'amis. Sinon, des ennemis. Mais il y a quelques personnes quand même, comme cette femme-là, qu'elle appelait beaucoup son amie. Et quand cette femme a disparu, elle était vraiment choquée. Elle pleurait tout de suite. Pensez-vous qu'une personne pareille peut-elle aller s'allier à peut-être les ennemis à cette femme, comme par exemple le manager? Bon, de la Bible, il faut pardonner. Il faut laisser tomber l'affaire. Mais avant de parler de ça, regardez un peu ça. Elle pleure, son ami qui est parti. Quand ce manager a commencé à pleurer, les gens ont réagi pour dire « Ah, pourquoi est-ce que tu viens pleurer sur les réseaux sociaux, tu cherches buzz ?» Vous voyez, ou bien tu cherches non. Mais les gens ont une manière de s'exprimer. Je pense. Dévastée. Elle dit que depuis le matin, elle ne pourrait pas venir devant tout le monde, mais elle est dévastée. Pourquoi est-ce que les gens se filment en train de pleurer devant les caméras? Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent aux gens de se connecter à leurs fans, qui sont comme leurs parents. Mais s'ils sont loin, et qu'elle, par exemple, elle veut s'exprimer, elle veut, par exemple, montrer à ses fans combien de fois elle est touchée et pleurer avec même ses fans. Par rapport à son ami qui avait des pépites, vous pensez que comment va faire? Comment va-t-elle faire? C'est vrai que dans le milieu, il y a beaucoup de personnes qui font semblant, mais ça peut être réel. Si vous aimez voir les gens rire en vidéo, soyez aussi prêt à voir les gens aussi pleurer en vidéo. Si quelqu'un pleure, tu pleures avec lui. Si quelqu'un rit, tu ris avec la personne. Mais ne juge pas cette personne-là rapidement. Déjà, regardez ce que ce manager a dit. Ce sont des choses qui sont vraiment terribles, des révélations. Là encore, c'est une autre affaire. Écoutez ça d'abord. Mon ami, mon frère. Comment vais-je pleurer, mon ami? Pour son pétrole hier était qu'un dimanche.
Je crois que ça me dit, on passe au concert. Il m'envoie une photo de lui. Il sait qu'il a tellement eu la photo, il est porté les lunettes. Alors, quand il m'a envoyé sa photo, et il m'a dit, je t'aime, ma soeur. Ne me trahis pas. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Et c'est lui qui m'a trahi. Il m'a trahi en me laissant. Vous voyez déjà qu'elle est touchée. Elle est touchée. Et vous voyez comment la trahison peut toucher quelqu'un profondément. Elle pourrait, la trahison, c'est ça, c'est le fait qu'elle soit partie sans lui dire au revoir. Franchement, c'est touchant. Hein? Je vais capturer ce que je suis en train de vous dire. M'envoie une photo. Et la vie, je t'aime. Comme ça, la fin de ma vie, le monde. Après lui, on a discuté, on a parlé de tout. Qu'est-ce que je vais devenir, mon ami, dans ce showbiz sans toi? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est dur de perdre une personne qu'on aime beaucoup. Toute la vie, tu vas te plaindre. Mais moi, tu vas dire, mon ami. Dieu, Dieu là-haut, il était qui va m'habiter de toi. Qui te reçoit à sa droite. Enfin, avec toutes tes bêtises, tu es un homme bon. Avec tout ce que les gens peuvent imaginer. Tu sais combien de fois je t'aime, mon ami. Tu sais combien de fois. Je vais vous
blessée. Je souhaite toutes mes condoléances à la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas combien de personnes qui souffrent comme moi. Je ne sais rien, sans famille, je suis ici. Maman Tina, je sais que toi-même, on n'en parle pas. Je suis perdue. Je suis inconscient, là, il n'y a que Dieu qui peut me comprendre. Ok. Mes frères et sœurs, si les gens pleurent sur les réseaux sociaux, c'est pas qu'ils ont envie de vous faire plaisir. Aujourd'hui, pour s'exprimer, les gens préfèrent entrer en contact avec les réseaux sociaux qui les met aussi en contact avec les fans, les abonnés, les gens qui peuvent les regarder. Quand vous voyez quelqu'un pleurer sur les réseaux sociaux, posez-vous la question sur la question de Bakas Ilia. Avant de tout de suite commencer à les juger. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne l'aurait cru. Ça peut vous paraître bizarre, mais ce sont les choses qui peuvent arriver. Voilà. Depuis la distraction de cette star, les choses ne font que devenir vraiment étranges. Et déjà, les gens ne font qu'en parler. Voici ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux après la distraction de cette star. Ah! Qui l'aurait cru? Abonne-toi, partage la vidéo et dites-nous ce que tu en penses. La Chine n'est pas fidèle, il faut qu'on le montre qui on est. Je vous attends à partir de 18h, même si les bonnes choses vont commencer un peu vers 22h, mais
Sachez que c'est une soirée qui va se passer sur toute la nuit jusqu'au petit matin. Voilà. De toute façon, vous avez l'habitude d'aller en boîte là. C'est comme ça va se passer aujourd'hui à la Xavier Lams. Voilà. Bonne sélection musicale, chicha, champagne à gogo, soyez bien sapés, bien propres. Pas de sauvagerie parce que la Chine n'est pas des sauvages, parce que nous on est des sauvages, mais on n'est pas des sauvages. On se respecte, on est deux. Et voilà, faut pas nous chercher. Champagne à gogo, soyez bien sapés, bien propres. Pas de sauvagerie parce que la Chine n'est pas des sauvages, parce que nous on est des sauvages, mais on n'est pas des sauvages. On se respecte, on est humble. Et voilà, faut pas nous chercher. Donc, si vraiment tu es fan du Daichi. Bien, mes frères et sœurs, voilà. Voici ce que fait le buzz sur les réseaux sociaux. Franchement, moi, un conseil, j'aimerais vraiment vous dire, si vous êtes vivant et que vous avez une bonne santé, voilà qu'il est temps. Commencez déjà par préparer ce qui va se passer après votre mort. On ne sait jamais. C'est pas que nous sommes en train de vous faire peur. Mais déjà, dites à ceux qui sont près de vous comment vous souhaiterez que les choses se passent quand vous ne serez plus là. Maintenant, l'homme n'est même pas parfait. On ne peut avoir confiance à l'homme. Et ce maladeur est en train de dire que les gens ont fait semblant d'aimer cet état, mais ce n'était pas le cas. Ça aussi, c'est une chose qui peut vous arriver. Quand vous avez de l'argent, le monde entier vient auprès de vous. Mais quand vous n'êtes plus, les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Mais il y aura forcément quelques-uns, quelques personnes qui seront bien. Même jusqu'après votre mort. Ça peut les faire pleurer, mais ce sont des trucs qui arrivent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? À vous de nous dire dans la partie commentaire ce qu'on fait. Et pour parler pour la prochaine vidéo qui va venir. Même regarder la vidéo qui va apparaître ici, c'est parti. Waouh, c'est vraiment étonnant.